Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Et nous allons toujours continuer à donner nos points de vue et à donner nos solutions. Vous êtes conscient qu'ici à Contact Pro Live, c'est un média de réflexion. Nous sommes un média où nous cherchons à nous apporter quelque chose de concret sur la table qui peut faire avancer notre pays. Nous ne sommes pas là pour dénoncer ou bien vous informer. Nous sommes un média de réflexion. Beaucoup de gens sont en train de me poser la question sur l'actualité, tout ça. Nous avons dit ceci. Dans Contact Pro Live, nous prenons la Constitution. C'est pour cela que vous allez voir ça dans la description de nos vidéos. Nous prenons la Constitution et nous regardons ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans l'actualité. Nous réfléchissons comment est-ce que nous pouvons concilier notre Constitution avec la marche de notre pays. Est-ce que ceux qui sont à la tête de notre pays respectent-ils les textes que nous nous sommes assignés? Ici à Contact Pro Life, depuis 2019, nous essayons de dire que non, il y a des choses qui ne vont pas dans la Constitution, qui ne permettent pas à ce que nous puissions passer sur une vitesse de développement de notre pays. Nous voyons une certaine inégalité entre les provinces, une certaine inégalité entre les villes et l'arrière-pays. Donc, les choses ne marchent pas. Pourtant, c'est l'arrière-pays qui est le poumon, d'où vient la richesse même de notre pays. Tout ce qu'on appelle comme minerai, ça ne vient pas de Kinshasa, ça ne vient même pas de grandes villes, mais ça vient dans le poumon qui se trouve à l'intérieur du pays. Ainsi, Contact Pro Live, ici, nous nous sommes dit, l'actualité que nous vivons aujourd'hui, comment est-ce que nous la traitons vis-à-vis de notre Constitution? Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler un peu de la mémoire collective. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce que nous pouvons défendre, nous, Congolais, en négligeant tout ce qui est comme détail en se disant, voilà ce que nous devons défendre. Est-ce que nous en avons le moyen de défendre la mémoire collective? Est-il la musique? Tout le monde se retrouve dans la musique. Est-ce que c'est dans les sports? Parce que quelquefois, lorsqu'il y a Léopard ou bien notre équipe nationale qui joue, nous nous sentons tous liés et nous nous sentons tous vraiment concernés. Si c'est la musique, comment est-ce que nous la défendons? Nous voyons ici, il y a notre musique qui n'est pas jouée en Europe, tout ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui dans cette émission de la mémoire collective. Qu'est-ce que nous défendons et comment est-ce que nous y prenons pour défendre la mémoire collective? Nous allons parler de la guerre parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées et nous allons parler aussi de la réorganisation maintenant. Comment nous allons protéger cette mémoire collective? Comment est-ce que nous allons nous envisageons l'avenir? Comment est-ce que nous nous proposons, comment nous nous organisons? Voilà un peu l'introduction. Je crois que cela va être aujourd'hui, et nous allons le faire lundi prochain, parce que le samedi, nous aurons encore une émission live où nous allons vous répondre sur beaucoup de sujets que vous nous aviez posés. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, le général Ndima Constant appelle la population à ne pas substituer aux forces de sécurité. Beni, le bilan de l'attaque des ADF à Beoumanyama passe de 21 à 37 personnes tuées. Je formerai ma nouvelle armée en RDC. Cette surprenante demande du général Mouronzi Kainezura à Félix Tshisekedi. On va sur actualité.cd. Affrontement FRDC M23. Les armes n'ont jamais été une solution efficace aux revendications. Ça, c'est Senko qui parle. RDC Parlement pour le sénateur Mobutu Ngala. La désignation du nouveau juge constitutionnel se fait dans le règle de l'art et dans le respect de texte.
Congo profond, AfriCell Impact Fondation déjà dans l'arène de l'humanitaire. Congrès pour le remplacement du juge constitutionnel, le sénateur Manza Diedonné Eli, avec 345 voix. 7 sur 7. 8 militaires et 3 civils condamnés à mort, notamment pour participation à une nouvelle insurrection, c'est en Ituri. Et puis, désignation du juge constitutionnel au Parlement, une commission paritaire et mixte a été fondée. Ok, on va sur Radio Okapi pour terminer. Nord Kivu, grève des tenanciers de pharmacie à Butembo. Goma, certes, célébration de la journée internationale des casques bleus. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, qu'est-ce que nous appelons la mémoire collective? Revenons maintenant dans ce temps où le pays est en guerre. Le pays est au bord de l'abîme. Nous voyons, nous sommes donc dans un pays où les gens sont divisés. Nous nous battons pour qu'il y ait la légitimité, que c'est ce que nous appelons la légitimité. Donc nous devons organiser les élections, nous devons choisir nos dirigeants, nous devons faire tout ce qui se passe comme la marche. Et nous avons vu le cycle électoral pendant 3 ans. Disons pendant 3 cycles électoraux, 2006, 2011 et 2018. Le pays vit dans cet perpétuel recommencement. Mais quelle est la mémoire collective que nous défendons? La mémoire collective, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chez nous, par exemple, les Banande, nous parlons de Kianda, nous parlons de Barza, c'est tout ça dans en Afrique. Il y a quelque part où on s'est dit, nous allons au Barza, nous allons au Kianda. Quand il y a danger, les gens se retrouvent malgré qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient dans l'opposition, quoi que ce soit. Quand il y a danger, les gens peuvent s'appeler en se disant « Boyananu, to sololananu, likambweza ko menace mbo kanabiso. » C'est là où on sent, c'est là où on peut sentir l'importance, les gens qui sont liés à leur terre. Mais nous constatons quoi en République démocratique du Congo? Nous les Congolais, nous sommes comme des mercenaires. Les gens qui nous dirigent, ils n'ont pas leurs enfants ici au pays. Les gens qui nous dirigent achètent des maisons ailleurs. Ils sont au Congo justement pour travailler, pour avoir l'argent et pour fuir. Nous n'avons pas une mémoire collective qu'on peut défendre. Les gens sont là pour s'enrichir et pour partir. S'ils ont cette opportunité d'aller acheter une maison ailleurs, ils vont. Nous avons parlé ici sur Contact Pro Live comment le Kassaïen, le vieux Kassaïen disent à leurs enfants, allez, ne revenez pas sur notre terre. Parce que ici, non, ne venez pas. Et ça, personne ne m'a jamais contredit sur ça parce que nous avons et nous causons avec les Kassaïens qui continuent à dire cela, que non, allez. Et nous avons même su ça. Dans le fait que les politiciens kassaïens ont essayé un peu de nous dire tous ensemble que non, le Congo nous appartient tous. Et on y est passé par des malices en disant la loi Bakajika, en détronisant les gens, pour que les gens ne puissent pas être liés à leur terre, à leur culture. Et on nous a entraînés sur ce chemin-là, qui finalement, nous trouvons que le Congolais n'a pas son pays. Le Congolais ne peut pas défendre son pays, c'est ça qui nous arrive. On ne peut pas justement défendre notre pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de mémoire collective. Nous ne pouvons pas mourir pour quelque chose. Nous voyons les gens qui nous dirigent prendre les... Le Congolais n'a pas de terre. Les Congolais acceptent aujourd'hui qu'un étranger vienne être président dans son propre pays. Et comment est-ce que ce Congolais va se mettre avec ses compatriotes pour discuter, pour défendre cette terre? Nous voyons même dans le fief de ceux qui nous dirigent, il prend une décision irréquile.
nous voyons qu'il y a un clivage entre l'opposition et ceux qui sont à la classe et ceux qui nous dirigent. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Félix Tshisekedi aujourd'hui ne peut pas appeler Fayoulou, les Mousito en disant que nous sommes en guerre. Venez, comment entendons-nous, comment est-ce que nous pouvons défendre notre pays? Non, c'est son problème, c'est le problème du président. Les gens ne s'entendent pas. Nous n'avons pas un pays. Nous n'avons pas un pays. Et même à la tête de l'État, le président de la République n'arrive pas à comprendre qu'il ne peut pas faire ça seul. Il n'arrive pas à comprendre. Et il s'entête. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il est capturé, comme on dit ici en Afrique du Sud. State capture. Il est en train de se battre avec ceux qui l'ont placé à la tête de notre pays. C'est ainsi que vous allez voir dans nos résolutions ici à Contact Pro Live, nous nous disons que le système dans lequel nous sommes ne nous aidera jamais, ne nous permettra jamais à sortir de notre pays, à avoir notre indépendance. Pourquoi? Lorsque nous avons, on a acheté le président de la République, il va travailler pour le multinational, il va travailler pour les gens qu'il va donner les raffineries de notre or, il va travailler pour ces gens-là, ceux qui l'ont placé au pouvoir. Et ces gens-là, nous contrôlons tous parce que nous sommes tous des aliénés en croyant que non, les solutions, ce sont les investisseurs qui doivent venir de l'Europe, ce sont ces gens-là pour lesquels nous allons aller nous courber en disant venez, amenez-nous le capital, en nous négligeant nous-mêmes. Nous avons oublié pourtant que la solution de notre pays devrait venir de nous. C'est nous d'abord qui devrons mettre les lois ou bien les... Nous devrons nous mettre sur le rail en disant « Voici ce que nous voulons. Et si vous voulez venir chez nous, voilà comment est-ce que vous allez vous comporter. » Mais ce sont les autres qui définissent même les lois chez nous. Et on nous a divisés de cette façon-là, de façon que nous n'avons plus de mémoire collective. Le Congolais n'a plus de mémoire collective. Le Congolais ne peut pas arriver à un niveau à se dire « Le Congo d'abord. » Nous remarquons ça dans la population. La population est en train de dire « Allons-y en guerre, nous sommes prêts à aller en guerre parce que c'est notre terre. » Mais cette population-là n'est pas encadrée. Et il est toujours déçu. Imagine-toi, c'est là où nous allons parler un peu de la guerre parce que nous avons vu, avec la guerre de 1-23, il y a 3-4 jours passés, on a arrêté deux militaires rwandais en les présentant, voici les preuves et tout ça. Est-ce que ce sont là les premiers? Combien de fois il y a eu de militaires qui ont été arrêtés sur notre terre? Combien de militaires rwandais sont dans les prisons à Goma, à Butembo, à Beni? Combien de Rwandais ne sont-ils pas là? Qui se disent que non, nous sommes des Rwandais? Nous ne sommes pas chez nous ici, nous avons été recrutés. Ceux-là ne sont pas des Rwandais. Ceux-là ne sont pas des Rwandais. Ils témoignent. Et qu'est-ce que nous faisons avec ce témoignage-là? Quelle est notre intelligence? Qu'est-ce que nous faisons avec? Et ce même gens, je crois si Dieu le veut, si vraiment j'ai la possibilité, j'aimerais extraire des extraits d'un journaliste militaire, Mukenge Shai, comme je peux me tromper de son nom, j'ai eu la peur, je me suis dit, voilà qu'il y a des gens qui s'engagent à dire des choses, à aller avec le caméra dans la prison, la prison de Beni, où il y a des témoignages vrais qui sont là. On vous dit que non. Un colonel qui quitte Kinshasa, quand il arrive, 3 jours après, il est recruté dans le même cercle des choses qui se passent ici. Nous sommes dans la forêt, nous sommes allés là-bas, nous connaissons. Il y a de l'or il y a des hélicoptères qui viennent prendre de l'or. Comment les gens sont recrutés en Tanzanie, tout ça? Qu'est-ce que l'armée congolaise a fait de ces informations-là? Donc, le président actuel est au courant de tout ce qui se passe et il ne fait absolument rien. Il ne fait absolument rien. Comment est-ce que nous allons supporter maintenant cette armée qui ne fait pas, qui ne fait rien?
Et le président de la République condamne même cette armée-là. Et le président de la République dit que non, il a donné beaucoup d'argent dans cette armée-là. Et maintenant, le peuple congolais qui se pose la question, quelle est notre mémoire collective? Allons-nous en guerre? À Goma, à Bukavu, la population a montré à ce que nous pouvons aller en guerre et nous pouvons traverser la frontière. La population est prête même pour traverser la frontière. Mais qu'est-ce que l'armée fait? Non, l'armée, ce n'est pas le problème de l'armée. Il faudrait attendre un peu. Pourquoi? Parce que la tête même du pays est sous botte de nos ennemis. Ceux qui veulent nous envahir, nous contrôlent à partir de l'État. Imagine-toi par exemple, vous avez des otages. Et vous savez maintenant, vous savez bien que les M23 sont au Rwanda. Les M23 opèrent à partir du Rwanda. Mais vous ne voulez pas accepter cette histoire-là. On va pratiquement libérer ces deux personnes-là. Au lieu peut-être, la population s'attendait à ce que non, nous pouvons maintenant aller en guerre, nous avons les motifs, tout est là. Mais la population elle-même ne comprend plus encore une fois de plus. Il ne connaît pas, cette population est ignorante que cette armée ne peut pas gagner une guerre. C'est la même population et qui sait que non, ce qui tue à Beni, ce sont nos propres FARDC. Parmi eux, ce sont nos propres FARDC. Mais cette population finalement... Quelqu'un me disait, non, vous dites que la population, c'est le peuple, est-ce que le peuple... J'ai dit, le peuple n'a pas d'âme. Le peuple, c'est ça. C'est la grandeur du peuple, c'est la grandeur des réflexions de leurs dirigeants. C'est nos dirigeants qui doivent nous montrer leur grandeur, pas le peuple. Mais nos dirigeants sont sous la botte des étrangers. On parle que nous sommes capturés, nos dirigeants ne peuvent rien faire. Mais qu'est-ce que nous allons faire? D'où viendra maintenant la libération? À Contact Pro Live ici, nous réfléchissons sur les solutions. Comme nous n'avons pas la mémoire collective, nous devons commencer à reconstruire. Nous n'avons pas une bonne armée, nous devons commencer par là. Comment allons-nous y arriver? C'est ça la grande question. La question est là. Comment allons-nous y arriver? Ce n'est pas impossible. C'est pour cela que nous nous sommes dit... Nous resterons toujours optimistes. Dans tout ce que nous ferons, nous resterons toujours optimistes. Parce que there is always a way, comme on dit en anglais. Alors, la solution, c'est quoi? Nous avions proposé le projet de 145 territoires, qui était un projet où on devait les restituer le pouvoir à la base. Et c'est ça le seul chemin pour l'instant pour que nos dirigeants à la tête de ce pays ne puissent pas être... être capturé, comme nous disons. Et le transfert pacifique et civilisé du pouvoir devrait passer par une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution devrait être réécrite dans le projet de 145 territoires. C'est-à-dire faire parler les gens au niveau même de leurs entités de base. Dans leurs entités de base, il y a moyen d'obtenir des consensus et de défense de leur territoire. Que chacun puisse se dire, c'est ici ma terre, je dois défendre ma terre, je ne peux pas vendre ma terre.
que nous apprenons ici de père et de mère, ce sera quand le peuple va se mettre ensemble en se disant, il est grand temps c'est que nous puissions réfléchir, qu'est-ce que nous avons, le passé qui nous a, comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau ici, où nous n'avons pas de mémoire collective, où nous ne pouvons même pas défendre nos terres. Nous ne pouvons pas défendre nos pays. Le Congo aujourd'hui ne peut pas aller en guerre. Nous n'avons pas une bonne armée. Pourquoi ? Parce que le système qui nous dirige aujourd'hui a fait à ce que nous soyons pratiquement des égoïstes. Le Congolais est égoïste. Nous ne nous aimons pas. Et nous l'attendons tous les jours. Ba Congolais, ba lingana kate, ba linga mboka na bangote. Le Congolais, c'est celui-là, dans le peuple que moi je connais, qui investit ailleurs. Il y a quelqu'un ce matin qui nous disait, il y a les gens qui ont été des gouverneurs et qui investissent, ils ont des entreprises, mais le pays est resté pauvre. Est-ce que nous voyons, est-ce que nous pouvons corriger ça? La correction de cette histoire-là, c'est le rétablissement de cette mémoire collective où les gens vont se combattre, où les gens vont construire encore leur terre, ils vont appartenir, lorsqu'ils se sentiront appartenir à quelque part, il n'y aura pas beaucoup de gens qui pourront aller à l'encontre des règles qui sont établies. Aujourd'hui, quelqu'un peut voler 500 000 dollars. Nous l'avons vu le week-end passé. 500 000 dollars disparaître dans un bureau. Comment est-ce que... Et vous allez voir que cette enquête-là va passer inaperçue. Ça sera un fait bénin. Qui perd? C'est le pays qui perd. C'est le pays qui perd. Mboke zobunga, mbongo ekei kakaboye, mbongo toza nango besoin pour nako somba minduki, pour nako tonga babalabala, pour nako tonga biloko etuke ya mai, eke nango kande ngwana. Pourquoi mutu moko ajija ki bon atiango na poche naye? C'est ça justement. Donc nous sommes dit, la solution viendra justement de ce projet de 145 territoires que nous devrions lancer dans le but à ce que les gens puissent d'abord obtenir des consensus au niveau même des territoires. C'est comme ça que nous nous sommes dit le projet de 145 territoires, où les territoires vont discuter sur la matière de base. Les territoires vont discuter sur le contenu de même de la Constitution. Comment est-ce que nous devons récupérer le pouvoir? Comment est-ce que nous ne devons plus condamner quelqu'un qui est à Kinshasa parce qu'il y a un pont qui est cassé? Comment est-ce que nous pouvons être en rétrocession avec nos minéraux, nos richesses? Comment est-ce que nous pouvons nous prendre en charge dans nos territoires? C'est ça le but même de ce projet de 145 territoires. Les gens devront discuter sur une matrice, une draft de ce que devrait être le Congo de demain. Nous avions dit que le projet de 145 territoires, même si les gens de l'IDPS sont en train de vanter ça en disant que non, c'est ça qui va sauver le Congo, mais ils ne connaissent pas l'origine de ça. Ce n'est pas en allant vous faire un pont que vous allez commencer à vous mettre d'accord. Non. L'administration, comment est-ce que vous administrez votre province? Les gens sont toujours dans ce schéma-là en disant que non, c'est Kinshasa, c'est cet unitarisme qui va sauver le Congo. Or non, les gens qui continuent à appuyer cet unitarisme ne sont pas bien pour le développement de notre pays. Ils ne sont pas pour le développement. Ils ne sont pas capables de se prendre en charge. Ils savent et ils entendent leur tour. C'est comme si quand vous êtes en train de se dire tour nangai koma siko nanu ngape na kolia na bimana tangu tour nangai ko komande na kotonga bandaku parce que j'aurai aussi la main mise sur les richesses que moi-même qui m'aidera mutu nyoso na kongoise la ka tour nae. Et c'est là le danger. Nous n'essayons pas de construire notre pays. Nous essayons toujours de nous engouffrer dans ce qui nous divise. Ce qui nous divise, quoi, c'est ça, c'est l'unitarisme dans lequel notre pays est. Ça ne favorise pas aucun consensus national. C'est pour cela. Aujourd'hui, les opposants vont se mettre dans leur coin en disant « Oh, il y a un problème, il y a Félix. » Oh, Félix, et puis Félix lui-même n'a pas les moyens même de se dire, Bande Koboya nanu awa,
tovanda nanu mboka na biso ezo kende to solution rozalande nini tozo bundani tozo luka nini tuko tunafaa nini juu inchi siende. Félix a une idée. Il n'a pas cette idée-là. Pourquoi? Parce que dans le système dans lequel il est, les opposants sont en train de se dire « Tozelaka 2023 Kokende, Akokende, Akokende. » C'est comme si Mbokango topé Sakango Mutumoko Boy. Et eux aussi, les opposants sont en train d'attendre leur tour. Tour Nabangwa Kolie comme Abalia bien. Vous pensez que dans ce même système, même si on met... Fayoulou, Omé, Katumbi, la première des choses qu'ils vont faire, ils vont partir en Europe. Ils vont aller là, ils vont, bako ça la peut voyage, Joana. Bako kende Rwanda. Qui dit que bako kende Rwanda te? Qui dit que bako émissaire na bango bazalakate? Nous avons constaté ici, Matata za na pays te. Il va chercher l'impérium na biso bazo kende ko négocier en Libanda. Impérium a payé se négocier kanango Libanda. Nous avons compris ça. C'est un peu ça, donc, le pays est allé. Donc, nous avions dit, bref, le projet de 145 territoires, même à Tabato et à Union Sacrée, Bazakoloba, non, yango, ne m'tokosalabo, yango, ils ne comprennent pas l'idée de ces conférences-là, l'idée de ces. De ce projet-là. Nous ne l'avions pas dit, nous avions dit, il faut appeler. Les états des lieux de chaque territoire. Chaque territoire devrait se mettre sur une table en disant qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les projets que nous pouvons faire ici. Et qu'on donne la responsabilité à ces personnes-là qui vivent dans chaque territoire en disant organisez-vous afin que vous puissiez dégager les résolutions pour le développement de votre territoire. Que ça ne soit pas qu'il y a un pont qui est cassé, ou bien il n'y a pas des écoles construites, il n'y a pas quoi que ce soit, et vous condamnez toujours Kinshasa. C'est ça justement le problème que nous avons. Et nous n'avons pas toujours compris ça. To comprena pété. Nous n'avons pas compris. Totalement, nous sommes à côté. Dilo konyozo tout osa à côté. Et le peuple est en train d'être entraîné dans cette histoire-là. Toza koloba, awake, avec système Oyo, Félix a eu bien même opposant te ba vanda balobi bon bandeko biso toza na pouvoir lelo mais likambo o ezota la biso nyonso na ozala na pouvoir ozala na nani bo to vanda nanu quelle peut être la bonne solution. Non, nous continuons à penser que notre koluka chemin biso moko. Pourquoi? Parce que si c'est la réussite, ça va chez quelqu'un. Si c'est un échec, nous allons partager tous les échecs. Mais si c'est la réussite, on va dire que c'est Tshisekedi qui a fait ceci. C'est Tshisekedi qui a mis ceci. C'est Tshisekedi qui a amené que le budget soit... Donc, nous faisons beaucoup plus attention aux hommes que les institutions. Ici, jamais, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a construit une route ou quoi que ce soit. Non! Ils ont des devoirs à l'État. Oh, bateau, bazar, à pouvoir, ils ont des devoirs à Bango. Voilà un peu de mon Nazaki Nango pour Naloba, Nalobe la mémoire corrective, na pena koloba réorganisation, na biso na projet à 145 territoires. Je crois que beaucoup de gens maintenant ont compris qu'est-ce qui se passe, par où nous avons commencé à réfléchir sur le projet de 145 territoires, qui sera la rétrocession justement du pouvoir à la base, pour que le peuple à la base, quelque part à Koloba, tokobanda wapi. Avec moi mbongo, tokobenga nani a bongi selabiso. Nini ango toza nango tuboto sala keno. Awa to kontrole par exemple, ba entre na biso, to administration na biso e bandape kozwa mbongo awa. C'était ça l'idée principale des états de lieux des territoires que nous avions prôné dans le projet de 145 territoires. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, une fois de plus, pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Bon, continuez qu'on s'abonner, Bandeko. Nous avons besoin vraiment de vos abonnements. La semaine passée, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés pour nous féliciter, nous encourager. Bon, Tozak, moi je ne suis qu'un peuple congolais qui réfléchit, Bandeko. Mais,
tant sous ba question obo pesa kangai ngape na tuna kapere vous le même les gens qui nous appellent et puis obo encourage kabis obo yebie belé bazali de vieux le balouba le bakongo il y a quelqu'un qui est à Mobayimbongo qui me suit à l'équateur quoi benga kanga en tout cas tous les deux jours il me suit religieusement. C'est un gars de l'Équateur qui est à Mobayimbongo. Un médecin. Et il me suit, il me donne son point de vue. Nous restons parfois des heures à discuter. Et il me renseigne beaucoup. Yangwana Nazo, remercie Bino. Vraiment, beau continuer. Nous continuerons toujours à réfléchir. Ce n'est pas que vraiment que Tozo Luka ou quoi que ce soit, Tozo contre Moutou, bien Tozo pour Moutou Boete. Nous donnons des solutions. Nous terminons par une solution que nous pensons que mais ça grâce à ma partage à ma émission oyo né visibilité na ba idée oyo komonana. Voilà, merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro, mais ne manquez pas na ngena bossa na bosse samedi. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, batumsu ba landanga vendredi na tongo, mais samedi nous avons une émission à partir de 13h30 et ça live kozala na Facebook. Bon manquer en goûté. Pardon, ne manquez pas parce qu'il y a des histoires que nous allons vous révéler. On a l'obéli mouke kaka awa pour na likambo guerre à l'est. Voilà, portez-vous bien. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.